Salut à tout le monde de Pissacripans, c'est LON et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mountain Blade. Ce sera l'épisode 25 cette fois-ci et on se retrouve à côté de notre capitale qui n'a pas changé, le... c'est le château du Dauphiné. Encore une fois, par contre, euh, j'ai fait pas mal de choses, j'ai notamment repoussé pas mal de sièges. Vous allez le voir, euh, non pas là, pardon, ici je suis niveau 32 donc j'ai bien augmenté plus que deux niveaux. Et d'ailleurs je vais mettre des points ici plus que deux niveaux et je serai je serai je serai attendez hop ingénierie c'est quoi mettre construire des équipements de siège plus rapidement hop on va faire ça et du coup hum, hum, hum vais augmenté ça aussi parce que je douille un petit peu en ce moment. Voilà, donc là je suis à 28 de force. Euh, plus que 2 points et je pourrais mettre mon épée ici. Tant attendu. Euh, C'est pas gagné encore. Et du coup, bon, voici mon groupe. Donc composé de Husklar que j'ai recruté. Euh, composé d'arbalétrier. Euh, voilà, que d'arbalétrier seulement. Et on va tenter aujourd'hui d'aller se, se prendre le château qui est là. Alors je sais pas si ça a marché euh, que ah oui j'ai encore deux choses à vous dire euh, l'ordre agonique m'a déclaré la guerre je crois que c'était déjà fait peut-être je sais plus je me rappelle plus si on l'avait fait dans notre épisode en tout cas bon je suis en guerre avec eux en plus il euh, y a euh, une personne qui est venue me rejoindre donc je l'ai recruté avec plaisir, je lui ai donné un fief, c'est un vieux village, pour l'instant je lui donnerai mieux, si j'ai l'occasion, bah par exemple le château là ça pourrait être cool, euh, pour l'instant j'ai pas eu le loisir de bah, de prendre autre chose, donc on va s'occuper de tous les châteaux et puis après on essaiera de se prendre la capitale, peut-être la dernière ville qui leur reste en haut, euh, là il faut construire une tour de siège... Les, on va construire une tour de siège, du coup. J'aime pas trop les, les tours de siège, effectivement, c'est pas... Alors, voyons voir mon économie. Ouh Alors, ouais, les recherches du royaume, j'ai investi 500 000 dans la recherche, parce que j'aimerais bien augmenter mes points de recherche pour voir ce que ça, ce que ça donne, tout simplement. Donc, euh, on va essayer d'augmenter tout ça. Euh... Tac, tac, tac... Ça avance vite hein, de, du côté des Soidiens, hein, la recherche. Donc euh, je préfère augmenter la mienne parce que sinon mes troupes vont pas... Enfin, tous les troupes de mes vassaux vont pas être au niveau de euh, des autres. Un groupe d'ennemis repéré. Je regarde si on a pas qui assiègent. Qui... Déclaration de guerre. Le nord contre le royaume de Sodia, Tant que c'est pas contre moi. Euh... Et... Ah, j'ai un de mes... J'ai un de mes vassals qui est prisonnier. C'est moyen ça. Était vaincu, mais c'est enfui. Ah ils sont en train de se prendre une douille, là. je sais pas où ils sont, mais. Ils sont en train de se prendre une douille. Ça met du temps à se construire cette tour de siège, hein, non? Puis les messages d'erreur, c'est dégueulasse au milieu. J'espère que vous ça va bien, moi ça va plutôt bien, du coup le village se fait attaquer, ok? Moi ça va plutôt bien. Franchement, je, je kiffe jouer à ce, cette série. Je pense qu'on va arriver quand même sur une fin de série parce qu'une fois que j'aurai battu les Rodoc, les autres sont en fait euh, comme tout le monde est vraiment en guerre avec tout le monde. On sent que les armées sont de plus en plus affaiblies, ce qui n'est pas ce qui est pas pour me déplaire. Et donc ben on va pouvoir sûrement se les faire, sûrement faire une grosse déferlante. Le problème c'est que je mets énormément de temps à produire mes unités, que je peux pas les produire dans toutes mes villes. Ça c'est un petit peu dommage. Euh, ils peuvent tenir encore 27 jours à la limite j'aurais pu rester là à les assiéger mais j'ai pas que ça à faire on va décider de mener nos soldats à l'attaque euh, ça va être compliqué alors là est-ce que eux ils restent à tirer normalement oui alors ce qu'il faudrait faire c'est qu'il y ait un ou deux soldats qui aillent pousser je sais pas si c'est ce qui est en train d'être fait là ouais là c'est ce qui est en train d'être fait alors après c'est ceux là qui poussent ça me fait un petit peu chier on va pas se mentir donc là c'est de l'échange de tir. Moi je suis devant mais c'est peut-être moyen. Je sais pas si c'est le bon choix d'avoir de m'être mettre mis devant comme ça. Euh, euh, ouais bon on, est, on, leur, on leur met plutôt cher. Faire gaffe avec mes soldats moi qui se prennent pas trop de tir, ça va avancer tout doucement. En fait ce que, comment, comment je fais pour bien gérer les sièges c'est que généralement ils sont assez bêtes il suffit de bien se mettre devant. Je sais pas, Vous avez les ennemis qui arrivent là juste en face, vous calez bien entre les deux rochers, vous tapez toujours comme ça, c'est le geste le... comme ça c'est le geste le plus rapide, vous spammez votre clic comme ça, et en fait ils meurent les uns après les autres, et comme vous les bloquez, ils n'arrivent pas à passer. Et si on vous fait reculer comme ça, là comme hop, vous revenez vous coller et vous refrappez, vous refrappez, vous refrappez. Ça marche plutôt bien sur les sièges. Je vais éviter de me prendre d'autres flèches, ça serait con. Oh, mes soldats, fait chier, Fais chier, fais chier. De toute façon, la tour de siège, elle est bientôt arrivée. Ça me fait quand même chier de perdre mes soldats, parce que j'ai je, vraiment, j'en chie pour les faire. Hein. J'en chie, j'en chie pour les faire. Lui, il a plus de bouclier. Ils vont se prendre la sauce, du coup. Ah, il coûte cher cela. Et surtout, ils coûtent cher, et c'est eux qui font la Je J'aurais peut-être pas dû m'attaquer sur un château comme ça avec une tour de siège. Parce que je vais perdre des soldats bêtement. Après, il faut bien le prendre ce château tôt ou tard de toute manière. Donc, euh... tireur d'élite, il gère, il gère. mes hein. il y a pas tellement de morts de mon côté. Il y en a beaucoup du leur. Allez. Ah putain, faut que je me, faut que je me planque parce que là, je me suis pris trop de déjà de coups pour rien. Je perds de la vie bêtement. Allez, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Alors, je vous prépare aussi d'autres vidéos sur euh, d'autres modes sur Move phénomène que je vous l'avais annoncé. Là, c'est la série, comme d'habitude, on continue. La série, c'est vraiment, enfin, c'est plus simple pour moi à tourner forcément les épisodes de la série. En attendant, ça n'en reste pas moins jouissif à faire. Et puis après, bon, les autres modes, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut installer le mode, il faut le télécharger, etc. Là, par contre, mes archers qui rushent, je suis moyennement convaincu. Je vais attendre de leur dire de faire autrement. Euh, archerie, ordre de déplacement. Tenez cette position. Archerie, ordre de tir, feu à volonté. J'ai évité de les faire monter les archers parce que, bah, ça sert un peu à rien en fait de les faire monter vu qu'ils sont mauvais encore à corps, ils vont se faire exploser eux qui sont coincés en bas, c'est pareil, c'est dommage, c'est dommage. C'est des petits trucs qui des fois vous gâchent le jeu. Ah, Margrave roland j'aimerais bien le... J'espère qu'ils l'ont mis KO. Hop, attention. Bim Ah, voilà. Ouh. Allez, la petite tarte des familles. L'autre côté, je dis... Hop. Oh bon, là, par contre, on va se prendre une douille. Regardez, je les vois qui me visent. Je vais avancer avec mon bouclier. Je ne peux pas passer par là, ok. Cours alors, cours, cours, cours. Là, il y a un ou deux soldats là-bas. Je vais essayer de me faire ceux qui sont en haut de la tour. Il hum, faut que je fasse quand même gaffe. Bon bah il y a déjà un mec qui est dessus. Je vais aller l'aider. Hop Allez-toi. Laisse-moi. Bim. On y va, on monte. On va devrait se les faire facile. Normalement. Bim. Ouf. Là c'est bon. Allez, mon pote. Allez, je lui ai mis un bon coup là. C'est bon. On va pouvoir... Alors comment on va passer euh... Ouais, on va devoir avancer comme ça. Oula, ça c'est pas des... C'est pas des soldats à moi ça. Ah il y a eu du renfort qui est arrivé. Alors attendez, là je suis un peu en galère. Je suis en galère totale même. Il faut que je donne un ordre de charger à tout le monde. Pour que mes archers y montent. Il va falloir se bassailler un peu au corps à corps. Euh... Ce qui me fait chier, c'est les archers en bas. En fait, ils vont me faire beaucoup de dégâts. Et là, dans la tour, je sais pas trop comment ça va se mettre. Hop Meurs Meurs Il faut vraiment que je me les mette. Allez, putain, t'es lent vraiment que je fasse un peu de carnage, sinon on va pas y arriver. C'est des archers que j'ai, ils vont se faire découper au corps à corps. Je sais pas si j'aurai assez d'hommes pour tout prendre, ça va être tendu. Ah, ben, en plus, il y en a qui me sentent me rusher dans le cul. Aïe, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va y arriver. Ouh là, j'ai pris cher, mais on s'en sort bien. Attendez, il y a combien de mes troupes là euh, J'ai plus tellement de troupes, mais je pense que ça va le faire si on se débrouille bien. Alors, je ne sais pas comment eux ils comptent passer. Je crois que ça va essayer de rusher dans un sens comme dans l'autre. Je crois qu'on va essayer de passer par là, effectivement. C'est plutôt équilibré encore pour le moment. Je vais essayer de passer sur du. Peut-être du feu à volonté. Archer, écoutez-moi. Ordre de tir, feu à volonté. Je sais pas si ça va être bien efficace, en tout cas. Ils vont riposter normalement un petit peu. Euh... Là ouais hop ça passe comme ça moi vraiment je passe au bouclier parce que là je vais prendre cher sinon en fait ça valait pas le coup de faire tout le tour hein, concrètement euh, on a perdu du temps de faire ça non est mieux fait de, de passer directement par ce côté là j'avais pas vu les choses comme ça là on est bien si là pour passer là-bas en haut qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font ils sont où Ils sont où Ils sont où Ils sont où Ils sont où, ils sont, où, ils sont, où. Ils sont là sur tenez cette position. Ordre de tir. Feu à volonté, là ça va, ça va répliquer, normalement. Ça va répliquer. Oula, il y a un bel embouteillage là. Vraiment un gros embouteillage pour le coup. Ça tire, ouais, ça tire ici. Ils sont tous paqués, c'est vraiment pas bon ça. Hum. J'ai envie d'aller foutre un peu le bordel là-bas, mais le problème c'est que j'ai pas tellement de, de vie. Ce serait bête de mourir. Oula, je me suis trompé d'armes. Aïe, oula, où ou je me fais. Je me fais... Je me fais rush. Oula Hop, c'est bon, je vais, je vais gérer, je vais gérer. J'ai géré. Alors maintenant, ça tue ceux d'en haut. Ok, pourquoi pas. Je sais pas s'ils vont pouvoir gérer. Là il y a un gros embouteillage, on va leur dire quand même. Mettre un petit chargé plutôt. Euh, ouais. Je pense que c'est mieux qu'ils y aillent au corps à corps. Ils vont rester en train de... Euh... C'est bien qu'on débarque en haut. De son, on est plus nombreux qu'eux. On a quand même réussi la prise du château. C'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de minusclar. Ce qui n'était pas vraiment prévu. C'est à cause de la tour de siège surtout je pense. Ah, J'ai plus beaucoup de vie. Je vais passer sur un bouclier. Sinon je vais me faire destroy. Il un... y en a encore qui canardent d'en bas. C'est parfait ça. Et les autres qui montent. Quel synchro. On va passer sur l'arme à deux mains pour aller en pourfendre un petit peu j'espère je vais pas mourir voilà c'était efficace bim et là lui il est mort lui il est mort euh, ouais bah c'est une victoire c'est propre c'est propre c'est une belle victoire franchement on a pris le château qui est en ah non il n'y a pas déjà le même le même design que celui où on avait bugué une fois mais non 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 pas du tout absolument pas, c'est pas le même. Hop, niveau perte, euh, ça c'est les uslards. Oula, j'en ai perdu beaucoup trop. S'il a réussi à s'échapper, on va recruter. Oula ouais, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de mes hommes encore une fois. C'est pas... C'est pas pour me plaire, ça on va prendre, ça peut se vendre à un prix à peu près correct. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire Alors lui, il n'a pas de fief. Je pourrais lui donner. Sinon, 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 il n'y a que lui qui a un seul petit village. Donc, je vais lui donner à lui, par exemple. Euh, voilà, grâce aux victoires, je vous ai désormais la main sur le château. Ok, ouais, je suis dans le château. Donc tout, tout se passe bien. Donc là, hop, ça, j'ai ce château-là. Il y a encore ces deux châteaux à prendre. Euh, ça va être compliqué, ça va être compliqué, parce que j'ai perdu quand même énormément de troupes. C'est bon, une prise de château, hein. c'est pas à mon avantage, c'est pas à l'avantage de ceux qui attaquent, mais là c'est vrai que ça va être assez compliqué. Hop, on fait les upgrades, Hop, upgrade, upgrade. Euh, vous allez voir, on va retourner vite. Pourquoi oh, ça me met en bateau Ça me saoule ça. Ça me met toujours en bateau. Hop. Si on va ici, vous voyez que j'ai lancé le recrutement. Ah, je peux en récupérer 10. Est-ce que je peux recruter Je sais pas si j'ai assez de sous. Ouais j'ai assez. Oh, je, 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 je me mets pas mal. Je me mets pas mal, on va pas se mentir. Donc j'ai recruté un autre petit groupe. Là j'ai une 20, 15, 25. J'aimerais bien attaquer celui-là. On va voir. On va, je vous propose d'aller ju déjà jusque là. Un petit peu. On va se promener. Euh... Chaiza, Almera, attendez. Ils sont en train de m'assiéger juste ici. Juste ici. Alors, ouais, les bateaux sur la Terre, c'est... Allé... Non, c'est chez les... Alors, ils sont jamais assiégés. Alors, ok, ça va vite. Alors là, on a un mec qui a 100 et moi, j'ai 80... Ah, il y en a un autre qui a 100 derrière, ça risque d'être un petit peu juste. Euh... Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Alors après je vais sûrement retourner ici, prendre des troupes et venir le poutrer. Et euh, ça m'assiège ici, donc euh, je vais essayer de poutrer un petit peu tout ça. Ah, je vous ai montré la prise du château, donc ce que je vous propose c'est que ça ne va pas être très intéressant vu que ça va être de la bataille un peu bourrine où je vais sûrement attaquer, euh, me retirer, revenir avec d'autres troupes attaquer, retirer, donc c'est pas forcément top, top, top à regarder. Donc je vais vous couper ça au montage, on reviendra quand je m'en serai occupé. Euh, on reviendra pour finir, j'espère, les redocs. Je sais pas si j'aurai assez de troupes pour finir les redocs, mais en, en tout cas, on va essayer de le faire. Donc voilà, je vous dis à toutes. Re, alors on se retrouve cette fois-ci pour une attaque de château qui est, ma foi, bien stylée. Un château dans les montagnes, c'était le, le château qui avait, euh, je sais plus, c'était un château redoc qui restait. Du coup, j'ai décidé de, de l'attaquer. Donc, euh, on va attaquer ça comme il faut. J'espère qu'on va gagner. Excusez-moi, j'ai une touche qui. J'ai une touche qui coince. Euh, alors, on y va. Normalement, il y a quand même déjà pas mal de. Ça devrait le faire, je pense. Euh, j'ai pas mis mes archers en retour. Donc là, en fait, j'ai pas mal de troupes parce que j'ai réussi à intercepter une armée qui était assez faible de 50 bonhommes et qui avait 70. Euh, de mes soldats en fait prisonniers donc euh, bah, j'en ai j'en ai clairement profité oh, je me suis pas fait chier du coup j'ai enchaîné sur la tête du château d'à côté parce qu'il me semblait pouvoir oh, ça tombe par contre un petit bug de chat s'affiche pas euh, ça arrive est ce que je pourrais pas en toucher un ou deux non bah, j'espère que ça va ça va passer Aïe 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 ouais. euh, J'arrive pas, je vais, je vais prendre mon bouclier, je vais essayer de monter. Sans, ça, me, ça me cible pas trop du coup. C'est plutôt sympa. Ça se passe plutôt bien. Oula, je vois des cadavres qui tombent là. Ça fait un peu flipper. Euh, Est-ce qu'on va réussir à rentrer Quelle est la question Oula qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe ça fait un peu euh, je sais pas trop là je le sens moyen finalement euh, ils sont tous en train de tomber comme des, euh... il n'y a plus personne là. attendez, ah il y a du renfort qui arrive merci voilà attendez je vais reculer ah, je suis un peu coincé Et ils sont tous tombés comme des, des cacahuètes euh, là, je pense qu'il y a plus grand monde. Hein. Ça devrait le faire assez bien. Ça devrait se passer, hein, je pense. Je vais pas être aux autres mauvais augures, mais ça rentre ou pas Ça rentre toujours pas C'est chaud Je vois que ça lance des haches et tout. Ils sont morts. Ok. Il reste plus grand monde en fait, hein, apparemment. Bon bah victoire. Euh... C'est parfait. J'ai quand même perdu pas mal de soldats. C'est... Alors est-ce qu'on peut faire des prisonniers On va les vendre. On peut récupérer des soldats. Je vais en récupérer parce qu'il y en a pas mal qui ont pris cher ici. J'aurais peut-être dû mettre plus en arrière. Hein, parce que j'ai voulu faire le keco ça. Bon, c'est pas grave, on s'est sorti, j'ai pris le château. C'est le plus important, il me semble. On va recruter ça. Ça coûte rien. Ça va renforcer mes rangs. pire je les mettrai dans la ville. Hop, le château. Alors, on a eu des petites ressources sympas. Alors, à qui je peux le donner Il y a Théodouine qui a pas de fief. Lui qui a deux villages. Lui qui en a un. Euh... Allez, je vais être grand prince. Je vais le donner. À... Allez à Theodwin, il sera content. En plus, je suis assez bas avec lui niveau euh... niveau un peu tout. Donc là, voilà, c'est ce château là que j'ai pris. On avait pris celui-ci. Euh, il me reste à prendre celui-là. Alors là, j'ai pas encore assez de troupes encore. Je vais devoir attendre quelques jours histoire. Quoi que j'en ai qui sont stockés par ici, des troupes. Ça pourrait être sympa. Donc ça, c'est pas à moi, hein. c'est les soi Ça, c'est à moi normalement. Donc là, je suis plutôt bien. J'ai tout ça. Il me reste celui-là. Et après, on pourra penser à faire un rush sur la ville de, de Yalen. Ça pourrait être joli. Donc voilà, c'était juste histoire de vous montrer le, le petit siège. Voir comment ça se passe, etc. Pour vous pouvoir montrer que je prends les châteaux un par un. Normalement, euh, ça prend un peu de temps. Il faut que je, toujours que je laisse passer 4-5 jours le temps de faire des troupes, d'essayer d'y aller, euh, de les feinter. Là, j'ai eu plutôt du du eu plutôt du cul parce que le château n'était pas si fort que ça. Et du coup, j'ai pu le prendre assez facilement. Voilà, ça s'est bien passé. Donc, je vous dis à tout de suite. Re Alors on se retrouve après avoir pris le château d'IBDBLS. J'ai pas record parce que c'était une attaque de château un peu comme les autres. Euh, j'ai bourriné, j'ai perdu pas mal de troupes sur ce que j'avais. Encore ça aurait pu être pire. Donc là hop, il y a pas mal de monde à améliorer. Jamiron en fantassin ou en tirailleur. Mmh, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Allez on va faire du tirailleur. Je sais pas ce que ça va donner mais faisons du tri-tirailleur. Et donc là, j'ai pris tous les châteaux. Il ne reste plus que cette ville-là à les prendre. Euh, je vais essayer d'y aller avec mes unités euh, super fortes. En tout cas, donc lui m'a aidé. C'était pas, c'était plutôt sympa. Euh, j'ai reçu du coup à prendre le château. C'était pas facile. J'ai souvent pas mal d'attaques euh, qui viennent sur mes, surtout sur ce château-là. D'ailleurs, il me semble que ce château, en fait, je l'ai pas donné. J'ai du coup chopé un nouveau héros dans la taverne de Veluca en revenant de la prise de l'autre château. Euh, tuc, tuc, tuc. donc on va voir si je peux lui pas lui donner un fief euh, buvran rudely euh, attendez je vais voir où c'est buvran et rudely parce que j'ai pas tellement rudely c'est là et buvran c'est là euh, bah, je vais lui donner je sais pas Amp, Rudy, euh, on s'en fout un peu au fait au final Tac, en plus je pourrais lui en donner d'autres. Allez, hop, un fief, on va les donner, j'ai dit, Rudely. Hop, voilà. Euh, voilà. Donc c'est fait, je lui ai donné un siège. J'ai filé ce château-là à un mec qui m'avait rejoint. Donc, euh, donc, donc, donc on est plutôt bien. Au niveau des châteaux, il me semble que je les ai tous filés, j'en possède plus aucun. Moi je possède que les villes. Euh, je sais pas où j'en suis du recrutement de mes autres troupes. Ça pourrait être sympa parce que si je dois attaquer cette ville-là, euh, si je dois attaquer Yalen, il faudrait qu'au moins j'ai suffisamment de troupes. Le truc, c'est que dans mes troupes, forcément, euh, ça va sûrement être une tour de siège, ça. Le problème de la tour de siège, c'est qu'après, ils doivent la pousser à la main. Et je perds énormément de troupes le temps qu'ils poussent à la main. Du coup, il ne faudrait je pas que j'envoie des recrues, un truc tout naze. Enfin, le problème, c'est qu'on peut pas le faire. On ne peut pas gérer les gens qu'on envoie. Donc, on perd des troupes c'est assez relou. Donc je m'en sors plutôt bien pour le moment. Bon, je suis toujours en bateau. J'ai fait quoi d'autre bah, J'ai pas fait grand chose d'autre. Après, j'ai repoussé les attaques. J'ai essayé d'xp un petit groupe de recrues que j'avais. J'ai plus tellement d'hommes dans mes villes aussi. Donc on va aller euh, au château du Dauphiné. Il me semble. Il faudrait que je fasse un petit tour comme ça. Bon, on va aller au château voir où ça en est déjà. Alors là c'est joli, toutes ces erreurs j'adore. Hop, on arrive. Euh, recruter des troupes. Donc dans 9 jours, je pense qu'elles sont pas prêtes. Et celles qui sont là, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui soient prêtes. Alors il faut voir qu'ici, j'ai fait un petit stock déjà de 25 seulement, je pensais en avoir plus. Ça va être juste un hein, 25. Il m'en faudrait quand même beaucoup plus, une petite centaine pour prendre la ville, ça serait pas de refus. Et on, aurait fini, on en aurait fini avec les Rodocks Donc euh, on va, va peut-être pas... Je ne pourrais pas le finir cet épisode-là du coup. On a quand même déjà bien rushé, puisqu'on a rushé les trois châteaux. On a rushé, rushé ce château-là. Celui-ci et celui-là. Bon, je ne voulais pas faire en vidéo celui-là, mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant sur ce château. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé pour ma part. On les a quand même bien mis à l'amende. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir, c'est ce qui m'encourage à sortir des vidéos, et ce qui, si possible, le plus rapidement, lâcher un commentaire aussi pour me dire ce que vous avez aimé, mais pas aimé, juste pour me dire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà, déjà fait, et je vous dis, tchou!